Burn the gum, not your soul. Garvin Moto. Bon, ça y est les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc on se retrouve sur un petit T-Max 530 ABS, donc prêté par Zazo, merci beaucoup mon pote. Donc du coup, petit test. Alors ça va être un peu chaud au début à mon avis, parce qu'il va falloir que j'arrive en fait à me dire qu'il n'y a pas d'embrayage. Et ça c'est galère franchement. Quand vous êtes habitué à un embrayage, putain, quand vous passez sur un truc où il n'y en a plus, c'est vraiment chaud. Donc du coup, merci encore Zazo pour ton petit prêt. Donc on va aller faire quelques petites routes sympatoches avec quelques petits virages, voir comment ça tourne et comment c'est maniable. Donc quand même, c'est un vélo le machin. Vous pouvez voir, il va de droite à gauche tout seul, c'est une tuerie. C'est vraiment un truc de malade. Donc faut que j'arrive à gérer le frein par contre, parce que ça c'est plus chaud. Putain, c'est vraiment bizarre quand même. Donc je disais, c'est vraiment un vélo le machin, c'est un truc de ouf, vous êtes trop bien dessus. Donc déjà, pour juste un petit truc les gars, les critiques, laissez tomber, ça sert à rien. Je sais que c'est pas une moto, que tous les vrais motards me diront que c'est pour les faux motards et tout ça. Mais oubliez, on est là juste pour tester ce petit T-Max et voir ce que ça donne. Et franchement, juste prendre un peu de plaisir et que les vidéos changent un peu, c'est pas mal aussi. Vous inquiétez pas, de la moto, vous allez en avoir. Aujourd'hui, on est sur le petit T-Max Easy Pose, hey mon gars. Et donc, on va tester tout ça. Putain, c'est fou comment ça tourne quand même. C'est vraiment un truc de barge. Ça tourne tout seul, c'est dingue. Ah, petit réhausseur, on va voir les amortisseurs. Qu'est-ce que ça donne? Ouh, easy, c'est un peu sec, mais ça va. Allez, on va ouvrir en grand, voir. Vous êtes prêts? Ok. C'est pas mal du tout, ça. On va réessayer. Oh, petite pointe, les gars. Ok, ça pulse sévère. Putain, mine de rien, ça marche vraiment bien. C'est un truc de malade. À peine on ouvre, ça part. Ça a vraiment de la patate, hein. Truc de fou, je pensais pas que ça avait autant de patates que ça, c'est vraiment pas mal du tout. Si vous avez l'occasion de le tester, vous avez un petit doute sur la puissance les gars, franchement, bon, après vous allez bloquer, c'est sûr que vous allez pas aller à 200 comme une moto, mais franchement c'est vraiment pas mal. Écoutez-moi ce bruit, je sais pas si vous entendez les gars, mais putain, il fait un bruit. Donc du coup, comme vous pouvez voir, le tableau de bord, ben, du coup c'est du basique, hein, c'est à l'aiguille. Vous avez à gauche les kilométrages. Donc ils sont comme sur une moto normale où ça bloque à 180. Je pense qu'avec un petit boîtier additionnel, ça doit pouvoir aller un peu plus haut. Je pense que dans ces eaux-là, vous pouvez monter dans les 200-220 avec, je pense, après je suis pas sûr. Vous avez... Ah putain, ça fait un quart d'heure que j'ai clignotant aussi. Vous avez également le contour à droite. Donc du coup, ce qui est bizarre en fait, c'est que vous n'avez pas de vitesse à passer. Donc du coup, quand vous montez dans les tours, vous voyez en fait, ça monte direct et après ça change tout seul de vitesse. Bah du coup, c'est un scooter quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment bizarre. Après, vous avez du coup les feux. Bah, ça c'est normal, et après vous avez le petit tableau de bord ici, donc avec les barres, ça c'est pas mal, vous avez la petite jauge à essence, donc ça c'est une tuerie aussi, au moins ça vous évitera de tomber en panne comme avec moi en Gladius quand vous savez pas trop. Là je crois qu'il y a les flics qui sont sortis aujourd'hui, ils sont partout. Alors là pour le petit test c'est pas cool ça, ah là là. Bon du coup je reprends. Au milieu vous avez le petit tableau de bord, donc je sais pas si vous le voyez, en fait ça vous marque l'heure, ça vous marque les kilométrages, un peu comme une moto normale, la température de l'air, putain vous avez même les degrés, hein, qui... c'est chaud ça. Et donc après vous avez à droite la température qui monte aussi avec des barres, tout pareil. Donc franchement c'est vraiment pas mal, on est vraiment super à l'aise dessus, ça me change du Gladius, la selle, putain on a l'impression d'être dans un canapé, c'est vraiment agréable. Après voilà, clairement les gars c'est pas une moto, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est pas, voilà, c'est pas comparable en fait, c'est vraiment différent, mais c'est quand même, ça reste quand même agréable et vraiment c'est vraiment sympa quoi. T'as les gars, c'est un angle de braquage de malade, c'est vraiment un truc de fou l'angle de braquage que ça a. Je vous jure que c'est un truc de dingue. Donc bon du coup on s'en doute, hein, de toute façon en même temps c'est pas une nouvelle, c'est un scooter, mais c'est vrai que dès que vous ouvrez ça part vraiment direct et c'est quand même impressionnant quand vous passez
d'une moto où finalement vous êtes sur un 600 quoi, comme moi un 650, et où, quand vous accélérez, bon, il faut vite passer la vitesse quoi, quand c'est un bi. Là c'est vrai que c'est quand même impressionnant le fait en fait d'être, regardez, là par exemple je descends à 4000 tours, regardez, j'ouvre, ça part direct en fait, c'est vraiment impressionnant quand même. C'est vraiment un truc de malade, donc du coup ça fait vraiment de nouvelles sensations, et puis on se croirait sur un bateau en fait un peu. Le machin il est tellement large qu'on dirait on est dans son fauteuil en mode posé, regardez, pareil, tu peux même mettre tes pieds ici mon gars, c'est quoi ce truc? C'est pas une dinguerie les gars, regardez, j'ai les pieds en mode posé, limite je peux regarder la télé, easy. Non mais sinon franchement c'est une tuerie. Putain les gars, à peine vous ouvrez ça, à peine vous ouvrez les gars, ça part direct, c'est abusé. Oh là là, c'est vraiment pas mal, franchement. Putain, c'est une tuerie. J'aime bien, franchement les gars, j'aime bien. Franchement, même si c'est un T-Max, j'en ai rien à foutre, j'aime bien. Le frein, ça freine plutôt pas mal. Bon, on est sur un scoot en même temps, donc forcément... il n'y a pas grand chose à freiner quoi, il n'y a pas de vitesse à passer, donc du coup c'est sûr que là il n'y a pas de frein, il n'y a pas besoin du frein moteur quoi, ça se fait tout seul, mais franchement vous avez un putain de freinage comparé à mon Gladius, je suis vraiment surpris de la puissance du freinage. À peine j'appuie, ça freinage à un doigt et tout, il y a tout qui fonctionne bien, donc c'est vraiment un truc de malade quoi. Putain les gars, franchement c'est ouf, ça fait bizarre de pas passer de vitesse, que ça parte direct d'un coup comme ça là. Putain, ça change trop. Je suis sur un scooter, on dirait un gamin mon gars, on dirait que j'ai jamais conduit un scooter de ma vie, mais bon franchement ça fait plaisir de retrouver un peu cette sensation de juste en tournant la poignée de partir comme une flèche, c'est vraiment pas mal. Bon après voilà, franchement si vous prenez un scooter c'est mieux pour la ville, hein, vous voyez, pour se balader et tout comme ça c'est vraiment pratique, vous avez un angle de braquage de malade, vous avez une puissance d'accélération quand vous partez, c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. C'est parce qu'il y a de mieux en fait tout simplement pour faire de la rocade, mais après c'est vrai que putain pour faire de la route, la petite ville comme ça là c'est vraiment top, regardez-moi ce braquage et tout que ça braque tout seul, c'est un truc de malade, le truc c'est vraiment un vélo, mais c'est dingue, putain, franchement... Et là au moins vous arrivez, vous avez pas mal aux deux petits doigts. Mais bon après voilà, on est motard, on roule pas. Putain c'est ouf. En plus il fait un bruit avec son toit à cras là, putain c'est abusé. C'est vraiment hyper agréable. Retour sur les différents points que j'ai testé. Donc d'une, la vitesse les gars, franchement en ville c'est une tuerie, vous accélérez, ça double tout seul, ça part, il n'y a pas de problème. Longue route, rocade et tout ça, vaut mieux éviter, franchement c'est pas ce qu'il y aura de mieux, parce que bon voilà, ça reste, ça bloque à 180, bon même si on sait qu'il y a les limitations et tout ça, voilà, bon, il y a les limitations, nous devons respecter, voilà, enfin bref. Tout ça pour vous dire que si vous avez des petits doutes et que vous habitez en ville, c'est largement suffisant. Vous allez voir que ça va... Vous allez voir que ça suffira largement. Et donc ouais, au niveau de la vitesse en ville et tout ça, c'est vraiment ce qu'il y aura de mieux. Vous allez voir que c'est top. Après, bon, si vous faites de la route, c'est mort, oubliez. Au niveau de la suspension, franchement, pour un scoot, c'est des suspensions de scoot. Au niveau du guidon, tout ça, de comment on est assis dessus, la position de conduite, c'est un scoot quoi. On est sur un scoot, voilà. On est assis comme dans un canapé sur un scoot, pas aux ailes. Mais franchement, c'est vraiment agréable quoi, ça fait zizir. Et donc du coup voilà, c'est pas mal du tout. Après niveau esthétique aussi, forcément un T-Max c'est joli, voilà. Bon après il y aura toujours ceux qui vont dire que le T-Max c'est pas beau. On aime ou on n'aime pas, de toute façon c'est comme moi le Gladius, il y en a qui me disent que c'est de la merde, il y en a qui aiment bien, il y en a qui disent qu'il est beau. Voilà, une moto c'est une moto, un scooter c'est un scooter. Celui-là moi je le trouve, franchement je trouve qu'il est vraiment une belle gueule pour un scooter. Après lui le sien il coûte aux alentours des 8000 euros. Il me semble qu'il l'a payé aux alentours des 8000 euros à 16 000 km, quelque chose comme ça.
N'hésitez pas, c'est vraiment une dinguerie. Si jamais vous êtes en ville et que vous n'avez pas envie de vous faire chier avec une moto à passer les vitesses et tout ça, ou alors que tout simplement en fait vous êtes rendu compte qu'une moto c'était trop d'entretien, graisser la chaîne et tout ça, ça vous saoulait. Là vous n'avez pas de chaîne sur le T-Max, c'est une courroie, donc vous avez juste à graisser avec du WD-40 de temps en temps. Et voilà quoi, il n'y a pas besoin de ni plus ni moins, ça suffit largement. Donc du coup c'est vraiment la meilleure option pour vous si jamais vous n'êtes pas fan de moto et pas passionné. Je pense que vraiment, si vous n'êtes pas passionné, un scooter comme ça, ça ira très bien. Donc voilà. Okay, it's rap back to my pulse flat. We keep it real, no false rap. I got four cars and they all black. Got four bras and they all that. We call that ballin'. Doing this is my car.